Désolée du retard. Aujourd'hui, je vais vous conter une nouvelle histoire de Renard. Dans cette histoire, Renard a volé des anguilles et est chez lui en train de les cuisiner. Son oncle, Isengrin, passe non loin de là et sent alors la délicieuse odeur qui s'échappe de chez lui. Est-ce que je peux rentrer? Il fait froid dehors. Hors de question, je lui donne à manger. Il faut que je m'en débarrasse. Qui me parle? Je ne vous connais pas. Mais c'est moi, ton oncle. Ils ont bras, ouvre-moi. Ah, c'est vous mon oncle. Désolé, je ne peux pas vous ouvrir. En tout cas, pas avant que les frères aient quitté la salle d'honneur. Les frères, chez toi, tu pourrais ouvrir et me laisser manger. Je le ferai avec grand plaisir, cher oncle. Mais malheureusement, il faut être moine pour entrer. Or, vous n'êtes pas moine. Cher neveu, comme tu ne veux pas me laisser entrer, dis-moi la viande que tu prépares et l'odeur qui sent si bon. Mais non, mon oncle. Ce n'est pas de la viande, mais c'est une anguille que j'ai pêchée ce matin. Mais t'avais dit qu'ils les avaient volées, les anguilles. Effectivement, mais Renard, en plus d'être un voleur, est un sacré menteur. Il n'hésite pas à raconter des histoires saugrenues si ça peut l'aider. Mais ça veut dire quoi, saugrenu? Des histoires extravagantes. Extra quoi? Cocasses. Abracadabrantesques. Rocambolesques. Insolites. Allez quoi, insolites. Mais Renard, c'est un voleur ou pas? Oui, c'est un voleur. J'en étais où? Ah oui, des anguilles. J'en ai jamais mangé. Faites-moi le plaisir d'en goûter une. Volontiers, mon oncle. C'est succulent. Quoi? Délicieux. Ah, d'accord. Ces anguilles étaient délicieux. Je peux en avoir? Désolé, mon oncle. Mais pour en avoir, il faut être moine. Eh ben, je vais devenir moine. D'accord, mais d'abord, il faut vous tondre. D'accord, tonds-moi. Avec une motivation comme ça, mon oncle, vous allez bientôt devenir mon supérieur. Ne bougez pas, je vais faire ça convenablement. Ah, bon calme, Renard, tu m'as beaucoup trop tendu. Mais non, cette tension est parfaite. Maintenant, tu dois passer une nuit dehors. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je trouve que ce renard est perfide. Moi, je dirais même plutôt qu'il est vipérant. Moi, je trouve qu'il est outrecuidant. Oui, c'est vrai qu'il est pas cool.